Quelle est la vraie origine de la couleur humaine? Quelle est la couleur humaine? La question reste posée. L'imam prépare les fidèles musulmans pour la prochaine Mecque. Il insiste sur les comportements recommandés par l'islam. Le musulman, il a déjà repris. Ramadan est parti, il est dans les bars maintenant. Le musulman, il s'assoit, il mange même du cochon le soir, à la barrière, là, j'en vois. Le musulman, il joue à la loterie. Le musulman, il ment, il rouble. C'est musulman, ça. Ça n'empêche pas d'être Moussa ou d'être Abou Razak. Non. S'il meurt, on va l'enterrer. Sauf. S'il est mort, Mounafik. Là, c'est une autre page. Et même le monastique, on l'enterre. Le prophète l'a enterré. Mais Dieu a dit, ça va ou n'aleka. Estafata la houm, lam tastafu la houm, lam yagfir la houm. Que tu lui demandes, que tu demandes pardon pour lui, chez moi, ou pas, ou que tu ne le fasses pas, moi, je ne vais jamais le pardonner. Donc, il y a des exceptions. Connais-toi. Laisse l'autre. Tu ne peux pas connaître, tu ne peux pas savoir ce qu'il est. Le message est compris. L'adjoint du guide spirituel saisit l'opportunité pour démentir la rumeur annonçant sa condamnation par la criette. C'est une intoxication pure. Et que Dieu puisse nous éclairer et nous guider, et nous préserver des tentations, tout ce qui va nous amener en prison, que Dieu nous en préserve. Donc je vais très bien, je suis libre dans mes mouvements.